Fort potentiel, gros travaux à prévoir. Des bâtiments du XVIIe siècle très endommagés. Voici ce qu'il reste de l'abbaye fondée il y a 1400 ans, sous le règne du roi Dagobert. Elle va devenir une abbaye très importante, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan politique. Une longue histoire prestigieuse jusqu'à la Révolution. L'abbaye connaît alors un destin industriel. Elle a été toutes sortes de choses. Elle a été une clouterie, elle a été une fabrique de bouteilles pour la région du Champagne et en dernier lieu, une brasserie. C'est la brasserie qui a construit cette partie-là, qui est une verrue, mais qui a l'intérêt de maintenir les deux bâtiments historiques ensemble. Moi, j'ai connu cet endroit extrêmement vivant. Il y avait de la jeunesse ici, il y avait plein de choses qui se passaient. Et voir ça dans cet état, les fenêtres bouchées, tout ça, c'est un crève-cœur. Hein. Comme beaucoup d'habitants, ces amoureux de l'abbaye sont venus ici enfants pour les activités paroissiales. Dernière occupation des lieux après la guerre, elles ont duré jusque dans les années 80. Puis, les murs sont devenus trop chers à entretenir. Et le temps a fait son œuvre. Donc là, vous êtes dans une partie du bâtiment qui est en train de prendre l'eau. Comme vous voyez, donc en fait, beaucoup d'infiltration d'eau. Et donc, c'est là où on se rend compte que les travaux deviennent de plus en plus urgents au niveau de l'abbaye. Cet été, le maire lançait un appel pour sauver l'abbaye. Il a été entendu. Le 1er décembre, un promoteur spécialiste de la rénovation de bâtiments anciens rachète les deux ailes principales. On a 24 mois de chantier. D'ici 2025, l'abbaye abritera 40 logements de prestige. La première mission est de respecter les volumes. Les volumes d'antan de l'abbaye. Et on ne peut pas obstruer des fenêtres ou découper des surfaces qui sont inscrites extérieures, façade, toiture. Saint-Omer, Arras, Lille, la société n'en est pas à son coup d'essai dans la région. Elle vient de s'attaquer à la brasserie Mode Cordonnier à Armentières. En janvier, elle livrera les premiers appartements des Grands Moulins à Marquette-les-Lilles. À chaque fois, des logements de standing qui attirent les investisseurs. C'est une vraie joie, c'est une vraie fierté pour tous les habitants. On a déjà des demandes de personnes, d'habitants d'Aumont ou d'ailleurs, qui nous disent ben, voilà, vivement qu'elles soient en logement et en appartement, parce que nous sommes intéressés pour prendre une partie de ce lieu. De futurs appartements avec vue sur la Sambre. À Aumont, certaines voix dénoncent la victoire d'intérêts privés. En attendant, l'abbaye millénaire est sauvée de la destruction.